Et donc, bonjour à tous, c'est Android du 74410 et on se retrouve aujourd'hui sur SimCity 5, sur notre ville de Fort Maillot. D'ailleurs, faudra que je change le nom de ces 4 parce que c'est quand même pas terrible. Pour l'épisode numéro 4, oui, 4, il me semble, dans notre donc jolie petite ville que l'on développe au fur et à mesure. J'espère que cette série vous plaît, et en tout cas, moi je fais un plaisir de la continuer avec vous. Eh bien, on va procéder plutôt continuer le développement. Donc, au niveau des riches, ça va, c'est pas trop mal. J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va super. Vous avez l'air de bien apprécier en tout cas cette série. Ça me fait plaisir parce que moi, franchement, j'adore faire ça. Ça fait vraiment un bruit méchant, ça. Faire aimer pour entrepôt plein. Il manquerait donc des zones. Voilà. Enfin des zones, des camions. Qu'est-ce que je dis des zones moi? Ici, en fait c'est ici je pense. Là on va mettre d'autres lieux pour le charbon. Voilà. On pourra exporter plus. Bon, on va continuer le développement tout tranquillement. On va pas se presser. Donc par quoi on va commencer? Qu'est-ce qui se dit encore là? Beaucoup de problèmes de santé. Oui. Ah effectivement, ah, c'est pas terrible, terrible. On va rajouter une petite aide d'hôpital, c'est pas grave. Voilà, on est bien là. On va augmenter la vitesse. Donc là, je crois qu'on avait vu la dernière fois, c'était bon. Ah, non, là c'est un peu juste quand même. On va mettre une autre pompe. Voilà, on est parfait là. Ensuite, là on est bon. Gouvernement, il n'y a rien à faire d'autre. Par contre, ah oui, c'est vrai qu'on a un module de mairie disponible, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici, ministère de la Sécurité? Pour le moment, je pense que ça... je sais pas quoi. Gare routière, aéroport municipal, embarcadère. Lycée, université, ouais, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Ça a un teint d'imposition, ça peut être pas mal, mais je pense que ça me sera pas utile. Ministère du Tourisme, bon ça sera vraiment après. Ce sera le dernier, ça, bon ça on l'a mis déjà. C'est marqué quoi placé dans la région, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais bah je pense qu'on va faire un ministère du Transport. Voilà. De toute façon on va bientôt pouvoir passer à l'amélioration suivante. Donc on va pouvoir replacer un ministère. Je pense que ce sera celui de la sécurité cette fois. Là, je pense que normalement, on devrait avoir un niveau technologique qui risque d'évoluer dans les prochaines minutes. J'ai l'impression que là, ça s'est pas coordonné. Ah non, en fait, non. On va améliorer notre avenue parce qu'il y a des bouchons dessus. On va faire des 3 voies. Parce que là, ça ne suffit plus. La capacité est trop élevée pour ces... Enfin, la capacité est trop faible. De ces routes sont trop faibles pour le nombre de personnes qui l'empruntent. Voilà. Bon après ça, on laisse pour le moment. Là, on va pas dire qu'il y a des bouchons, ce serait mentir. Alors là, vous voyez que ça se développe pas mal, il est riche, ils veulent vraiment venir. Hein. Je pense qu'on va leur accorder 2-3 petits terrains supplémentaires. Je vais juste finir un petit peu d'évoluer cette zone là. Puisque bah, là maintenant on commence à avoir bien rempli la carte. Hein. Maintenant il va falloir attendre que ça évolue. Je pense que... Vous le savez aussi bien que moi. Allez hop, on va faire ça. Alors pourquoi là ça me met des zones ça je comprends. Oups, une petite bêtise. Hop, voilà. Et non, et ça. Voilà, alors on va juste démolir ça là. Voilà, ça je m'en fiche. C'est vraiment un petit bug là, je comprends pas. Il s'obstine à me mettre des zones industrielles alors que c'est pas du tout ce que je veux. Bah écoutez, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ça doit être Maximan là. Bon bah écoutez, si vous voulez Maximan, absolument, vous me le direz dans les commentaires, mais moi pour le moment je ne le veux pas. Bon, pour le moment, bah voilà, on s'en fiche quoi. Vous me direz si vous le voulez, absolument. Mais moi je trouve pas ça utile. En tout cas pour le moment. On va regarder là si on peut pas remettre un petit parc quand même. J'aimerais bien. Là on avait mis des places déjà, donc on va essayer de mettre des petits parcs.
pour changer un petit peu. Bon là, on peut pas mettre une petite place dans le coin là. Pas mal. Puis on va l'agrandir un peu. Allez là. Voilà. Joli, joli. Là, ça fait un petit quartier riche en plus. Parce que apparemment, bah, ils aiment bien notre ville, hein, les riches. Et qu'ils viennent, puisque je les aime bien. On va remettre un petit peu de commerce quand même. Parce que après, ça risque de manquer un petit peu. Et j'ai pas envie que ça manque. Il ne manquera de rien dans ma ville. M'avez-vous compris ? Je sais pas si c'est un bon plan de mettre Lola en fait. Mais ça me gêne un peu ça. Parce que j'aimerais bien mettre encore d'autres exploitations de charbon là. Ouais, ça me dérange un peu. Bon, vous savez quoi? Quand l'eau sera polluée, on changera. Bon, je pense que ce sera pas dans très très longtemps d'ailleurs. On va en attendant augmenter notre production de charbon. Je vais juste démolir ça parce que je vais construire une nouvelle mine. Ah, il y a le siège métal qu'on va placer. Vous savez quoi, on va placer notre mine et puis après on s'occupera du siège métal. Comment on va faire là? Ouais, bah allez, go. Allez, là on exploite, on va exploiter vraiment à fond toutes les ressources qu'on a. On va en profiter. Ce n'est pas négligeable. Voilà, là on est bien. Allez, on l'a fait au max, ouais. On va mettre le petit piano qui va bien, parce que j'aime bien les panneaux, moi. Je pense que vous l'avez remarqué, si vous avez vu les précédents épisodes. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, je vous encourage vivement à aller les regarder. Voilà, voilà. Bah là, pour le moment, écoutez, on va juste mettre le camion supplémentaire, puisque... on va en avoir besoin, mais sinon ça m'a l'air bon. Ah, attendez 2 minutes, mon casque me dérange. Voilà, c'est bon. Bah, jolie petite ville. Je suis vraiment content d'avoir une jolie petite ville comme ça, de réussir à avoir une jolie petite ville alors que bon, c'est quand même pas celle qui pollue le moins et qui est la plus moche. Ah, vous voyez, on commence à avoir des petites entreprises sympas avec un degré technologique assez élevé. Par contre là, ce petit bout de route là qui sert à rien, je le veux pas. Voilà. Là on est bien. On est bien. Ah, j'ai vu, je crois voir une ruine. Un bâtiment abandonné. Non, c'est bon. Parfait. Ça c'est pas plein. Non, c'est bon. C'est bon. Là, il n'y a pas d'embouteillage. Là où ça circule. Comme il se doit. Au niveau de la satisfaction, vous pouvez voir qu'ils sont à peu près tous contents, sauf les commerces, mais je vois pas pourquoi. D'accord. Hop, tais-toi, toi. Là, il y a le lieu de stockage plein, bah, c'est pas un souci. En plus, c'est même plus vrai. C'est vite, très vite vidé, même. Alors, là... on va faire notre petit siège métal. Où est-ce qu'on va le faire, lui? Bon, tiens, là, il me paraît bien. C'est un bel endroit. Sortie du tunnel. On est bien, là. Oh oui, on est bien, là. Alors là, je vais juste regarder si les bâtiments ne veulent pas évoluer encore plus. Puisque vu à l'allure à laquelle ça va... Ah ouais, il y en a qui veulent évoluer. Certains veulent évoluer. Donc eh bien, on va commencer à augmenter les routes. C'est vraiment sympa ça. Déjà, certains veulent évoluer en grande densité. Enfin, ils veulent pas, mais ils s'apprêtent. Donc on va se préparer aussi. On va anticiper tout ça. Je m'embrouille un peu dans ce que je lis. Il ressort au tunnel déjà. C'est le tunnel qu'on a fait la dernière fois, je crois. Il ressort là, donc là on va faire la densité élevée aussi.
Là, on va aussi encadrer là. 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 Et le tunnel. Au niveau du son, si vous trouvez que c'est trop fort ou trop faible, dites-le moi. Hein. Je me rends pas bien compte. Même quand je suis au montage, je m'en rends pas bien compte. Donc n'hésitez pas à me le dire. Bah là, après, pour le moment, c'est encore de la faible densité, donc on va laisser comme ça. Mais c'est le centre-ville là, que je voulais un petit peu upgrade. Là, c'est limite, c'est limite. Donc on augmente. On va regarder juste la pollution du sol. Bon, ça a encore toujours raisonnable pour notre... Et là, je comprends pas pourquoi c'est ultra pollué. Ah oui, c'est vrai. Parce que ici, il y avait les anciens tuyaux d'écoulement d'eau usée. Donc bah tout simplement, c'est dégueulasse. Pas très compliqué. Allez, on va mettre plein d'herbes partout pour enlever cette petite pollution que nous n'aimons pas. Bien sûr. Hop, ça suffira. Et je leur dis encore une fois, mais n'hésitez pas surtout à donner vos avis, ça m'intéresse. Comme je suis encore jeune youtubeur, j'aime bien avoir l'avis des gens qui me regardent, parce que des gens me regardent. Ça me fait d'ailleurs très plaisir. Ah, ça me plaît pas là. C'est pas assez courbé à mon goût. Bon, toi, de toute façon, tu vas y passer, donc quitte à te détruire. Hop. Et... Ouais, allez, c'est bon, ça ira bien comme ça. On va refaire quelques petits commerces. Des petits pour les riches. Et là on est bien. Là on peut rien construire, donc puis on s'en fiche. Je vous redis encore une fois, c'est pas mon but, c'est vraiment pas d'avoir une ville vachement optimisée. Hein. Je préfère plutôt rester dans une optique de ville qui va plutôt faire rentrer l'argent dans les caisses. Alors, comme nouveau ministère, on va mettre... J'hésite. Ouais, sécurité, c'est plus important. C'est plus important. Enfin, c'est... Oui, c'est... Si, c'est plus important. Je dis pas que l'école, c'est nul, hein. Vous inquiétez pas. Le charbon, là, ouais, bon, on va pouvoir construire à côté, quand même. Parce que je veux construire. C'est où? Charbon, charbon. Voilà. On va un petit peu empiéter dessus, c'est pas grave. On va quand même... Je veux quand même un petit peu de population, moi. Ah, pourquoi ça bug? Ça doit être le bord de la carte. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est aussi que j'étais pas en construction droite, donc... Voilà. Non, je vais pas y arriver. Non, non. Bon, il veut pas. C'est pas bien grave, hein. Et c'est dingue, hein. Ils ont quoi les routes? Elles se rebellent aujourd'hui? Voilà. Et là, on a un petit bout de route qui va servir à rien de toute façon. Donc on le détruit. On fait population. Là, on va mettre quand même des commerces. Hein. Là, ce sera un petit peu le quartier un peu plus pauvre. Comme il y a les mines de charbon, un peu tout ça. Pas tirer grand chose en profit en matière de valeur de terrain ici. Qu'est-ce qui manque en pompier? Là, ça a l'air de pas aller forcément hyper bien. Je pense que je vais rajouter un garage. Ah, en fait, non, c'est parce qu'il y a des bouchons, en fait, déjà. Ah, il y a même de gros bouchons. De sérieux problèmes de bouchons.
sérieux problème de bouchon. Ah ouais, c'est pas, ils font pas semblant. Hein. Alors j'aimerais bien comprendre un petit peu où vont tous ces gens. Ah, en fait, ils vont juste dans les magasins. D'accord. Vous comprenez déjà rien que les flux de que ça entraîne de voyageurs, enfin de les flux de transport. Je pense qu'on va mettre un système de transport en commun, c'est le moment. Donc on va prendre ce petit dépôt de navette et on va le mettre ici. Parce que je le sens bien ici. On va mettre station de périphérique, je crois que c'est ça. Stationnement périphérique. On va mettre un petit peu partout dans la ville pour que les gens puissent se garer. Notamment par là. Vers les commerces hein, souvent. Par là. Et vers les industries, on va en mettre un là. Voilà, là on est bien. Et puis on va combler le reste par des arrêts de bus. Voilà. Et si vous voulez que votre circuit de bus soit efficace, il faut absolument essayer de minimiser les arrêts de bus. Ça évitera que les bus soient trop lents en fait, puisqu'ils ont trop d'arrêts à faire. Mais là, on est pas mal. Mettre un arrêt là. J'espère que j'ai oublié aucun endroit. Je pense pas. Si, peut-être là. Voilà. Et puis là, la ville est en feu. Et tous les camions sont sortis. Il est donc temps de rajouter même deux garages, je pense. Ça va nous être utile. Oula, j'ai pas vu tout l'argent qu'on avait. C'est bon ça. Alors, niveau police. On a un crime, c'est bon. Un mort par jour, c'est bon. Zéro bâtiment incendié par jour, c'est bon. Au niveau des poubelles, c'est pas à ras-bord. Nos camions font le boulot. Mais on va en rajouter quand même. On va même en rajouter deux. Comme ça prévoira. Puis là, on a de l'argent, donc faut en profiter. C'est pas négligeable. Ouais, c'est impressionnant. On a déjà des buildings. C'est impressionnant, on a aussi des embouteillages énormes. Sur l'autoroute également. Je pense que là, on va faire un petit truc pour dévier un peu la circulation. Non, on va faire carrément un pont en fait. Mais un pont qui arriverait où? Telle est la question. Non, là, ça marchera pas. Est-ce que là non, pas moyen, je vais pas réussir à faire un tunnel là, c'est trop bas. Ah bah là on peut. Est-ce que je tente le coup? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est moche en plus. On va essayer plutôt de faire avec ça. Mais là, encore faudrait-il trouver un... Ah, c'est toujours la même chose, vous voyez, c'est un petit peu difficile de... Ah non, on va pas y arriver là. Bon, c'est pas grave. Parce que vous voyez, la journée, ça circule pas trop mal vers 16h, mais c'est aux heures de pointe où c'est vraiment bouché. On va rajouter déjà des navettes parce que là... 4 pauvres navettes, 3 pauvres navettes, ça va pas suffire. Donc, hop, hop. On va commencer par ça. Ouais, ça suffira pour le moment. On va juste regarder un petit peu la carte des bus. J'ai encore pas regardé à quelle heure j'avais commencé, ça c'est génial. Ah, j'aime pas faire ça. Non, c'est pas les trains que je veux, moi c'est les bus. Cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Bon, c'est pas dramatique. Même au contraire, c'est bien. Enfin, j'espère pour vous, vous n'avez pas regretté cet épisode un peu plus long. Enfin, en fait, j'en sais rien s'il sera plus long.
Ouais, bah écoutez, au niveau des bus, ça a l'air d'être pas trop mal. Je pense que c'est bien. Là, vous voyez, c'est déjà très bien utilisé. On s'en sort déjà très très bien. Et donc, petite coupure, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui a sonné chez moi. Alors, on va détruire les... Oula, pourquoi il y a des ruines? Ça ne va pas, ça. Juste regarder au niveau des impôts, par contre. Je voulais voir ça. Écran budget. On va taxer plus les industries et les commerces. Parce que c'est eux qui nous font faire tous ces embouteillages là. Il faut bien qu'ils payent les transports en commun que je mets en place. Non mais oh. Non, au niveau des pompiers, c'est bon, ça a l'air de calmer un peu. Ouais. Ouais, ça m'a l'air bien là. On est bien. Ok. Bah écoutez, on va juste regarder les postes vacants. Bah, on a pas mal de postes vacants quand même, hein. Bon, c'est parce que vous voyez là, c'est pas évolué encore. C'est normal. Hop, hop. On évolue, enfin on fait évoluer un peu les avenues. Faut y toujours y aller petit à petit, faut pas que tout se construise en même temps, enfin faut pas que tout évolue en même temps, sinon après c'est vite le bazar au niveau de la circulation, c'est ingérable. Donc on fait quartier par quartier. C'est comme ça que ça marche le mieux. Où est-ce que j'ai pas amélioré? Où est-ce que j'ai pas amélioré? Où est-ce que j'ai pas amélioré? Là. Je veux améliorer ici. Pont en arche. Allez. Allez. On est des fifous, nous. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Oula, c'est complètement bouché ici. J'aime bien zoomer, donc je me le permets. C'est vraiment bien bouché là. Ça va. Ça ressort carrément de l'autre côté. Ah ouais, c'est le tunnel qu'on avait fabriqué. Ouais, mais vous voyez, il sert bien. Hein. Il sert même très très bien à nos habitants. C'est vrai que c'est quand même bien chargé les routes. Mais ça va. Ça va pour le moment. On n'a pas énormément de soucis. Ouais. Ouais, bah écoutez, c'est parfait. Ouais, en plus on a un joli petit pont. Bon, c'est un peu. Enfin, ça fait un petit peu ridicule avec ce grand arche pour pas grand chose. Là, on va supprimer ça, ça sert pas à grand chose. Et puis voilà. Pour finir, on va mettre une nouvelle mine. Pénurie d'électricité. Ah ah ah! Et ben vous voyez, comme quoi, ça va très très vite. Donc on va pas rajouter une nouvelle mine. On va juste voir au niveau des besoins parce que là, ça va. Ouais, en fait ça va. Niveau école qualification peu élevé. C'est parce que là il doit manquer des classes. Ouais, on va remettre un truc comme ça. De préférence pas casser beaucoup de choses. Éviter de casser des habitations. Plutôt un commerce. Voilà, c'est mieux. Je préfère casser des commerces parce qu'on a trop d'emplois. Voilà. Bah écoutez, on est bon. On est bon. Vous voyez qu'on a pas mal avancé dans cet épisode, hein. La ville, elle grandit, grandit, grandit. On a pas mal les quartiers sont pas mal développés. C'est toujours un petit peu dans la même optique que l'épisode numéro 3, puisque on est toujours dans le développement des quartiers. S'améliorer ce siège plus tard. On verra plus tard. L'eau est pas trop polluée, je pense.
Non, elle est même pas du tout polluée, c'est parfait. Eh bien écoutez, sur ce, on va se dire à la prochaine, puisque ça doit faire bien 20 minutes. Et je veux pas que ce soit des épisodes trop longs. Donc j'espère que cette série vous plaît, que vous prenez du bon temps à la regarder. Et parce que moi, tout simplement, je prends du bon temps à la faire, et ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas de commenter surtout, j'aime bien que vous preniez part à mes séries. Et abonnez-vous pour ne rien rater. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, bye bye!